Voici bientôt 3 mois que vous menez une campagne extrêmement active sur le terrain. Vous avez sillonné la France entière, le territoire métropolitain, mais aussi les départements et les territoires d'outre-mer. Vous avez tenu de multiples réunions, vous avez rencontré beaucoup de gens. Comment, au moment où cette campagne s'achève pratiquement, pourriez-vous résumer votre impression générale sur ce que pensent les Français ? Eh bien, j'ai d'abord constaté que les deux candidats, qui étaient déjà présents en 1974, n'ont su ni convaincre, ni entraîner les Français. Et j'ai constaté au contraire que ma candidature recueillait un accord, un soutien, chaque jour plus important. Et vous avez une explication à ce double mouvement, l'un de montée et l'autre de stagnation ? Et je crois que cela tient au fait que les Français ressentent actuellement une espèce de découragement, de malaise. Ils n'ont pas été mobilisés. Et ce découragement et ce malaise viennent, je crois, du fait qu'il faut aujourd'hui les gouverner autrement. C'est-à-dire en leur donnant à la fois plus de responsabilité, plus de liberté, mais aussi en leur donnant le sentiment que leurs affaires intérieures et extérieures sont traitées avec plus de fermeté. Je crois que c'est ça le problème. Vous ne croyez pas que la raison essentielle de ce malaise, prenons le mot, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus concret, le chômage par exemple, qui touche toutes les familles? Oui, naturellement, le chômage, c'est d'ailleurs le point central de toute la politique que je propose aux Français et qui consiste à lutter contre le chômage, à augmenter la production. Mais au-delà de ce problème, il y en a un autre qui est, comment dirais-je, ressenti confusément, et qui est le sentiment qu'ont les Français d'une certaine inutilité, si j'ose dire, c'est-à-dire le sentiment que leurs problèmes quotidiens ne sont pas compris, que leurs suggestions ne sont pas entendues, qu'il n'y a pas de dialogue entre eux et les pouvoirs publics, ceux qui sont responsables des affaires de la nation, qu'il n'y a pas en un mot de concertation. Et comment est-ce que cela se passerait concrètement si vous étiez élu? Comment vous y prendriez-vous pour faire comprendre aux Français qu'ils sont pris en considération? Car c'est un peu ça votre objectif. Mais écoutez, je crois que c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Si vous me permettez, je reprendrai un exemple qui était celui de mon expérience comme ministre de l'Agriculture. Je n'ai jamais, à cette époque, pris une seule décision qui n'ait été au préalable prise en accord avec l'ensemble des représentants des organisations agricoles. Alors, naturellement, ça demande du temps, ça demande un effort de compréhension mutuelle. Ce n'est pas simplement un dialogue où chacun s'exprime et où ensuite l'État décide. C'est véritablement l'exigence d'une meilleure compréhension mutuelle. Est-ce qu'il y a d'autres catégories sociales qui seraient concernées par cette politique de concertation et de dialogue? Mais toutes, bien entendu. Prenons quelques exemples. Vous avez aujourd'hui les cadres, je veux dire l'ensemble du personnel d'encadrement, c'est-à-dire cadres et agents de maîtrise, qui savent qu'ils sont l'ossature même de la nation, qu'ils sont responsables de son avenir, de son activité, et qui ont le sentiment à la fois d'être mal à l'aise dans leur entreprise, malgré bien sûr des exceptions, mais surtout de ne pas être considéré, compris, entendu, de ne pas pouvoir dialoguer normalement avec les pouvoirs publics sur des problèmes qui sont à l'évidence même de leurs compétences et de leurs responsabilités. Vous avez les professions libérales. On explique aujourd'hui en permanence que nous sommes pour une société de liberté, d'initiative, de responsabilité. Et on laisse petit à petit marginaliser les professions libérales. On ne leur donne pas la faculté de s'épanouir. Au contraire, on les, en permanence, on fait en sorte qu'elles ne soient pas libres de leur mouvement. Il faut là aussi avoir un véritable dialogue avec elles. Je prendrai un dernier exemple. Qui sont les fonctionnaires? Le problème des fonctionnaires aujourd'hui, ce n'est pas d'en créer davantage. Le problème, c'est de leur donner plus de sens, des responsabilités, les convaincre qu'ils sont au service de la nation et leur donner, bien entendu, un statut, une considération qui leur revient.
Prenez par exemple les instituteurs. Il est extraordinaire que ce corps qui a tant fait pour le pays, qui sous la Troisième République notamment, et encore sous la Quatrième, a forgé en quelque sorte la République, aujourd'hui se sent aussi mal à l'aise et que le dialogue entre eux et les pouvoirs publics soit devenu une sorte de dialogue de sourds. Il faut aujourd'hui que l'on se comprenne mieux. Je ne dis pas qu'il faut leur donner satisfaction, surtout, ce n'est pas le problème. Mais il faut se comprendre mieux et donc discuter davantage, prendre en considération les uns et les autres, les problèmes et les suggestions de chacun. Vous définissez ainsi une sorte de manière de gouverner différente de ce qui se pratique à l'heure actuelle. Mais je me demande si dans cette impression de malaise que vous avez ressentie, il n'y a pas quelque chose dont on parle moins souvent, mais qui est une espèce d'inquiétude sourde des Françaises et des Français devant la façon dont les affaires de la France sont conduites à l'extérieur, dont la France contribue aujourd'hui au développement de la paix dans le monde. Oui, encore que les Français n'ont jamais pris exactement conscience des conséquences de la politique étrangère sur leur vie quotidienne. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte davantage de cette importance. Il faut, dans une politique étrangère, une très grande fermeté. Il la faut d'abord pour défendre les intérêts de notre pays. On ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, que, à Bruxelles, au sein de la communauté européenne, la France ait suffisamment d'autorité et de volonté pour défendre les intérêts de nos agriculteurs, de nos marins-pêcheurs, de nos sidérurgistes, de nos travailleurs de l'industrie du textile ou d'autres. C'est sans doute un domaine, la politique étrangère, où il est facile, on le voit ces temps-ci, de critiquer. Il est plus difficile de proposer. Quels seraient les fondements d'une politique étrangère que vous pourriez mener si vous étiez élu ? Eh bien, ces fondements, je crois, sont simples. Il y a d'abord le fait qu'il faut toujours avoir le même langage, quel que soit l'interlocuteur auquel on s'adresse. Il faut ensuite être profondément convaincu que lorsque les intérêts de la France et des Français sont en jeu, le compromis ou la concession n'est pas acceptable. Il faut enfin savoir que la France a traditionnellement un message à apporter au monde et à cet égard une responsabilité à l'égard des autres nations et que ce message, c'est la défense intransigeante des droits de l'homme, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et sur ces domaines, la France ne doit pas accepter de concessions. L'un des moyens de cette politique étrangère particulièrement résolue et active, c'est la présence des Français à l'étranger et également la présence de la France sous une forme qui est très importante, qui est celle de sa langue. Oui, c'est exact. La France a le privilège d'être présente au monde, un peu partout. D'abord géographiquement, par ses départements d'outre-mer, par ses territoires d'outre-mer, qui font qu'elle n'est pas un pays comme les autres, replié sur son hexagone, d'où l'importance de ces régions. La France, ensuite, a beaucoup d'hommes et de femmes auxquels je tiens particulièrement aujourd'hui à rendre hommage et qui la représentent sur le plan économique, social, culturel, un peu partout dans le monde. La France, enfin, à cette chance extraordinaire d'avoir une langue et une culture internationale. Et d'ailleurs, elle ne défend pas assez cette langue et cette culture. Il faut avoir une politique beaucoup plus dynamique de défense de la langue française dans le monde. Et puis, il y a enfin les problèmes qu'il ne faut pas oublier, qui sont liés à sa défense. On en parle assez peu dans cette campagne électorale. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quels sont les grands axes de votre politique de défense ? Il y a la dissuasion d'abord, bien entendu. Et la défense, d'abord, est liée à la politique étrangère. Une politique étrangère qui veut sauvegarder la paix doit être une politique de fermeté. Lorsque les pays occidentaux ont marqué leur fermeté, la détente s'est développée et la paix s'est affirmée. Lorsqu'au contraire, comme l'a dénoncé il y a 3 ou 4 ans M. Solzhenitsyn, les pays occidentaux ont voulu discuter, concéder, compromettre, alors les Russes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit naturellement, ont pris un certain nombre d'initiatives pour pousser leurs avantages et ça remet en cause à la fois la détente et la paix, on le voit bien aujourd'hui.
Il faut donc plus de fermeté. Et cette fermeté s'appuie notamment sur l'existence d'une défense nationale qui soit véritablement efficace. Or, l'efficacité aujourd'hui, et plus personne ne le conteste, c'est la défense nucléaire, et notamment la composante de notre défense nucléaire qui est la moins vulnérable, c'est-à-dire celle qui se trouve sous les mers, nos sous-marins nucléaires. C'est pourquoi je propose d'augmenter notre effort en ce qui concerne les sous-marins nucléaires. Il faut pouvoir montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Ça aussi, c'est le service d'une politique de paix. Dans cet effort de défense, vous parlez beaucoup du nucléaire, il y a aussi une autre composante, car la France a des voies d'approvisionnement à protéger vis-à-vis de l'étranger. Elle a besoin d'une force d'intervention. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelques problèmes à l'heure actuelle ? Certainement, on pourrait évoquer naturellement tous ces problèmes. Non seulement elle a des voies d'approvisionnement à protéger, mais elle a des accords, oui, mais aussi elle a des accords avec un certain nombre de pays, je pense en particulier avec l'Afrique, qui sont des accords de défense et qu'elle doit être en état de respecter. Et cela suppose que ces forces d'intervention soient demain dotées de ce qui leur manque, c'est-à-dire des moyens matériels et notamment des moyens de transport qui lui sont indispensables. Alors, M. Chirac, devant un monde aussi dangereux et aussi compliqué, devant une tâche aussi lourde que celle qui vous attend si vous êtes élu, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Je suis optimiste. Je le suis d'abord parce que c'est dans ma nature. Je le suis ensuite parce que lorsqu'on veut gouverner un pays, on n'a pas le droit d'être pessimiste. Et je le suis enfin, parce que j'ai profondément confiance dans la capacité de la France, qui est un grand pays, qui n'est pas 1% dans le monde, à surmonter ses problèmes, et qui demain, comme hier, sera un grand pays. En tous les cas, pour ma part, je ferai en sorte, si je suis élu, que les Français soient à la fois fiers et heureux d'être Français.